whenever I'm riding, I'm always extra careful, and I like to burn my tires hotter than hell. You can always smell the rubber burning as well. Beyond the limit of stopping or going safe. Destruction, devastation, that's my place. Welcome home, put your feet up, let's begin. Time trials is ready, baby, it's in. Ready, fast to full gear. Bonjour à tous. C'est Anonymat et ça fait longtemps qu'on s'était pas vu et ça va à 12 fps, c'est moisi. Donc on se retrouve sur un jeu que j'ai acheté il y a un moment déjà, c'est-à-dire vers Noël, qui s'appelle Trials Evolution Gold Edition, donc vous avez pu le voir. Je vais découper cette vidéo en 10 minutes, enfin en format de vidéo de 10 minutes, donc c'est une présentation du truc. Je vais démarrer le chrono maintenant. Donc c'est parti. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc c'est un jeu de trials, de moto. Vous connaissez sûrement la moitié. Je joue à la manette Xbox filaire. Noire si vous voulez savoir. Je vais vous montrer en quoi consiste le jeu. Alors déjà, dans le menu principal, on a le solo, le multi, le central, le classement, le succès, les objets. Voilà, donc je dis n'importe quoi. Et des options, mais d'ailleurs, je vais régler une vidéo. Audio, normalement ça passe. Mode fenêtre désactivé, V-Sync je vais désactiver, ticrenage, hein. Alors rendu des ombres, je vais essayer de mettre en... Alors je vais baisser la qualité pour que vous voyez pas le beau du jeu mais plutôt qu'il y a un pack de succès que vous empresserez de découvrir si vous l'achetez. Le classement, comme je disais, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué et ça marche pas. Centrale des pistes, ça je vous montrerai tout à l'heure, et multi aussi, donc on va commencer par le solo. Alors sachant que le jeu existe sur Xbox, mais ils appellent Trials Evolution, tout simple, tout simplement, et ne dispose que de Crash Country, alors que nous, avec cette version, on a entrepoigé. Donc pour ce tout de 20€ que vous pourrez trouver en boîte, je crois, ou sur Uplay, moi c'est sur Uplay, vous pourrez donc découvrir les deux. J'ai pas beaucoup joué hein. Donc ça je l'ai fini à 100%, ça aussi 54, 42, enfin vous savez lire. Et je vais vous montrer d'abord des trucs simples, sachant donc qu'il y a des permis pour débloquer certains types de motos. Donc là par exemple pour les premières courses, on va en faire une sympa. Ah oui, celle-là elle est vachement bien faite, donc sachant que il y a des beaux effets des fois. Alors je vais commencer donc avec, normalement on a 7 motos, après on débloque celle-ci, après celle-ci, après celle-ci, et ça il faut, pour la dernière il faut débloquer un espèce de succès vachement dur, que j'ai pas fait. Faudrait que je me remette dans le bain, je vais sûrement me croûter. C'est parti, et ça va sûrement laguer, hein. Hop, parce que je vous rappelle que mon ordi n'est pas fantastique. Voilà. Alors sachant qu'il y a un autre replay, c'est moi mais avec une autre moto, donc il se peut que j'aille plus vite avec l'autre moto. Parce que ça, c'est la moto la moins puissante du jeu. Pour commencer, ça va bien, mais après, c'est infaisable. Donc, là, c'est un peu la merde, sachant que c'est pas vrai, c'est du trial, plus vers les niveaux difficiles, où ça devient vraiment pratiquement fou. Toujours un peu d'humour. Merci Ubisoft. Donc alors, c'est sûr que c'est un peu moche, ça rend un peu moche chez moi, c'est parce que... Comme je l'ai dit, c'est pas super en niveau graphisme. J'essaierai quand même à la fin de vous faire une démo un peu plus belle. Donc ça, avec la deuxième moto, nous avons, donc je vous laisse regarder les miniatures. Donc il y a celle-là. Ceci, je vais faire celle que je préfère. Hein. L'élévation est sympa. Saut de la falaise est vraiment sympa. Mais les gaz. Alors je vais faire saut de la falaise parce que j'aime bien l'environnement. Je trouve vraiment sympa. Donc on va prendre celle-ci. Alors il y a moyen dans le garage que vous avez pu voir tout à l'heure de custom les motos. Alors pas au niveau technique bien sûr, mais au niveau d'apparence. Alors celle-là je l'ai pratiquement pas touché, hein. Juste mis orange et noir, mais sinon voilà. Donc là, oula, c'est pas très fluide, je tourne à 34 fps, j'espère que pour vous ça rendra bien. Normalement ça va, franchement qu'on compresse assez bien les freins, ouais, tac, yeah. Alors moyen de s'éjecter, hein, aussi, oui, c'est bon, ça passe, donc moyen de s'éjecter, je ferai pas tout de suite, j'ai envie de gagner. Ah d'ailleurs, j'ai même battu mon record, voilà, toujours une petite action sympa.
Oh. La violence est gratuite. Je crois qu'il est moins de 12 ans, si je dis pas de conneries. Hein. Je dois dire une connerie, mais peut-être. Hein, je suis pas sûr, mais peut-être. Ensuite, bon, alors là, vous avez vu que j'ai pas tout. Hein. D'ailleurs, je vais pas chercher à tout avoir, d'ailleurs, parce qu'on dirait que c'est tout en argent. Celle-ci, on va rock. Tu me réponds. On va faire grand 8. Alors, celle-ci, elle est vraiment sympa. Je vais prendre cette moto qui est plus puissante. Enfin, qui va plus vite, mais qui est moins puissante. Enfin, pas la plus puissante, mais qui va vite. Oh là là. Oula. Alors, on va attendre que la map charge un peu. Enfin, on va faire un truc d'essai. Ouais, attendez. Je vais attendre. C'est bon, elle a bien chargé la map. Ouais. Bon, les ombres sont pas super belles aussi. C'est normal, j'ai décoché le truc. Donc là, alors vous voyez, une grande map en fait. En arrière-plan. Sachant que. Lol. Alors, je vais recommencer depuis le début. Donc vous voyez, l'éjection. Ouais, bon là, dans ce cas-là, ça sert à rien, mais. Allez, c'est parti. Oups, mauvais départ. Bon, c'est pas grave. Même si je fais pas un bon temps, je vais la finir. Ça, c'est pas stylé. Allez, allez, non, non, non. Oh, putain. Bon, je vais repartir de là, sinon on ne finit jamais. Ah si, en fait, je me suis dépassé. Oula. Non, oui. Non, non. Bon, je fais n'importe quoi, je vous l'avoue. Mais bon, c'est fun quand même. Hop. Non. Ah purée. Alors, ça se verra peut-être pas à la vidéo, mais moi, j'ai pas tant d'FPS que ça, et du coup, c'est dur à jouer quand même. Donc voilà, n'abusons pas, hein. Faites ça chez vous, hein, comme vous voulez. Je crois qu'il y a un décalage des sons aussi. D'ailleurs, j'ai pas mis très fort, hein, c'est pas pour m'entendre, parce que j'ai remarqué que sur certaines de nos vidéos, on mettait le son trop fort. Donc voilà. Un petit backflip pour la route. Et là... Putain, c'est claquage du dos. Tac. Donc je vais une course de merde, hein, c'est pas de problème. Je vais vous montrer une un peu plus dure encore. Donc là, pour l'instant, c'est un peu juste de la course un peu. Alors il y a celui-là qui est très sympa, hein, référence à quelque chose. Alors la méga piste, ça je la ferai en vidéo en une fois, ça peut être marrant. Je pense que je ferai peut-être des lives sur ce jeu. Quand je pourrais. Amoureux des arbres. Prise de tête, doc. Bon celui-là il a l'air sympa, on va le faire. Alors sachant qu'après je pourrais utiliser celle-là, mais je pense que je vais essayer de le faire avec celle-ci. La bonne musique hein, en général derrière. Alors, sachant que... Oula. Tac. Au fait, n'essayez pas d'être sérieux sur ce jeu. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, même si on fait n'importe quoi, eh ben, on s'en sort pas, hein, quoi. N'écoutez pas ce que je dis, en fait. Ça aussi, c'est un bon conseil. Oh putain, oh, ça fait mal aux yeux là, les FPS moisis. Ça va là, je me sens pas trop mal. Aïe, oh putain, en vrai vous avez plus de genoux. Non, non. Fuck. Si, oula, allez, pour le style, oh, c'était petit poil ça. Allez, encore. Donc, aussi pour vous dire que tout ce qui est créé ici, donc c'est créé par les éditeurs bien sûr, mais vous
pouvez le refaire avec l'éditeur qui est présent dans le jeu. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est là, vous pouvez le refaire. Donc, sachant que la physique de la map est déjà faite. Ah yes, j'ai eu la médaille d'argent, c'est cool ça. Donc sachant que la physique... la physique, ouais, enfin le... Ah, je sais plus comment on dit. Enfin les vallées, tout ça, le relief est déjà fait. Alors, attendez, petite coupure, je vois là.